Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le monsieur que vous voyez juste à côté de moi est un adjudant. Il vient d'ôter la vie à sa femme à l'aide de son arme à feu. Les faits se déroulent au Cameroun à Yaoundé. On dit souvent aux femmes de faire très attention. Un homme violent naît violent. Un homme qui est violent, ce n'est pas qu'à un certain moment donné de sa vie, il a changé de comportement et puis il est devenu violent. Il est né comme ça. Et lorsque vous voyez déjà les signes de violence dans votre foyer, lorsqu'un homme n'est pas capable de régler un problème sans inclure la violence, faites vos affaires et partez de là. Arrêtez de prendre toujours pour excuse vos enfants. Non, je reste à cause de mes enfants. Non, je ne veux pas partir parce que je ne veux pas faire souffrir mes enfants. Mes enfants doivent grandir auprès de leur papa. Arrêtez ça, mesdames. Parce que même si ce n'est pas vous qui payez, vos enfants vont payer, hein, le prix de votre insistance dans ce foyer toxique. C'est-à-dire que intérieurement, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est qui peut pousser un homme à utiliser son âme de service contre sa propre femme, contre sa propre épouse, celle-là à qui il a promis d'être avec elle dans le meilleur comme dans le pire, de traverser toutes les étapes de la vie avec elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre son âme chargée et pointée contre la femme qu'il prétend aimer, tirée dans la tête? Maintenant, quand le monsieur est attrapé, il essaye de faire comme s'il est malade mental. J'ai dû lire sur Facebook que ses collègues ont expliqué qu'il a un état, c'est-à-dire qu'il a un problème de santé mentale. Donc, écoutez le discours qu'il a tenu lorsque les forces de l'ordre sont arrivées chez lui. Écoutez ça, je vous reviens juste après. Mon matricule était déjà changé depuis beaucoup de choses. Au fur et à mesure, j'entendais, parce que j'entendais aussi, j'ai créé un autre mouvement. Faites très attention, la vie tourne. Allô? Oui. Lorsque je regarde ce genre de choses, ça me fout la haine. En tout cas, ça me met hors de moi. Franchement, c'est dégoûtant même, limite. Parce que tu as posé un acte. Tu l'as fait sciemment. Tu as posé un acte, tu l'as fait sciemment. Mais lorsque les forces de l'ordre arrivent chez toi, tu fais semblant de délirer. Tu fais semblant d'être fou. Tellement tu ne crois pas à l'acte que tu viens de poser. Que la vie tourne. Genre, c'est ce qu'on te demande. Ce qu'on a envie que tu nous expliques, c'est ce qui t'a poussé à être aussi méchant envers la femme que tu as épousée, la femme avec qui tu vis, avec qui tu partages ton quotidien, celle que tu as prétendu aimer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses prendre ton âme contre elle? Et puis ses collègues qui expliquent qu'il paraît qu'il a un problème de santé mentale là. Arrêtez ça. Arrêtez vos conneries parce que celle qui est couchée là, c'est l'enfant d'autrui. Celle qui gît au sol là, c'est les 9 mois qu'une maman a porté puis elle a mis au monde. Donc, elle aussi, là, elle a des proches, elle a des amis, elle a des gens qui l'aiment. Arrêtez de chercher des excuses pour votre collègue. Ce sont des excuses bidons. Parce que là, si vous constatez que votre collègue a des problèmes de santé mentale, la première des choses à faire, c'est de récupérer son arme à feu et de l'envoyer dans un centre psychiatrique pour qu'il se soigne. Il ne devrait plus continuer à exercer. La tenue lui devait être récupérée. Tant qu'il n'a pas recouvré sa santé mentale, on ne peut pas c'est-à-dire lui donner une âme et puis un poste d'adjudant. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est qu'il paye pour l'acte qu'il a commis. C'est tout. Que justice soit rendue à cette pauvre dame, dont la seule erreur est d'avoir aimé un homme en tenue. Un homme qui se croit capable d'être au-dessus de tout, qui ose porter son âme contre elle. Son seul péché est d'avoir aimé un homme en tenue. Si seulement elle pouvait imaginer qu'un jour, l'homme avec qui elle dort dans le même lit pouvait prendre son âme et pointer contre elle, je suis sûre qu'elle ne serait plus avec lui à belle lurette. Donc voilà aujourd'hui. La dame a perdu la vie gratuitement comme ça à cause d'une dispute conjugale qui a éclaté, à cause d'un malentendu. Des choses que les êtres humains peuvent régler entre eux calmement là. C'est dans ça la dame a perdu sa vie. C'est la fin d'année. Le diable est partout. Il utilise n'importe qui. Ceux qui n'ont pas la foi là, commencez dès aujourd'hui à croire qu'il y a un créateur. Pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. Parce que ce monsieur, il est en train.
Il ne délire pas, mais en fait, il n'arrive même pas à croire que ce soit lui qui a posé ce genre d'acte-là. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait, peu importe sa situation, peu importe son statut. La justice doit être rendue à cette dame-là. Et puis, message alarmant à toutes les femmes qui vivent dans les foyers où tous les problèmes se résolvent par des coups de poing là. À toutes ces dames-là, commencez à prendre conscience. Commencez à penser à vous. Parce que si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un d'autre. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas. Parce que quand tu te mets avec les bleus partout, les bosses partout, et tu restes toujours là pour qu'on frappe sur toi. Je dis, c'est le moment de prendre conscience et de partir de là. Parce que tu ne sais pas quand le pire va arriver, quand le pire va se produire. On en a parlé maintes fois. Mais il y a des gens, ça dit, elles s'en foutent au fait. Elles disent, parle pour toi là-bas. Moi, je vis mon amour ici. Même s'il me boxe là, je suis là. On va faire comment? Je ne sais pas si cette dame avait l'habitude d'être frappée et puis elle a décidé de rester, mais en tout cas, je ne vais pas la juger. Je ne vais pas la juger parce qu'elle ne peut plus m'écouter. Donc, celles qui peuvent encore m'écouter, c'est à elles que je m'adresse. Les relations toxiques là, arrêtez de serrer vos fesses et puis de rester là parce que vous espérez que la personne va changer. Jamais il ne va changer. Même si le pire s'est produit, la personne ne va pas changer parce que c'est sa nature. On n'a qu'à dire ça combien de fois? Bref, portez-vous bien haut. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Partagez au maximum. Partagez au maximum parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de femmes. Partagez cette vidéo au maximum. Je compte sur vous. Sur ce, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.